Aujourd'hui, notre deuxième vidéo sur la révision des leçons 33 à 38. Maintenant, une fable, une fable La Fontaine, une histoire. Donc, d'abord, il y avait un coq et le renard. Ça, c'est le coq. Et puis, le renard. Voici le renard. Un vieux coq, hein, le vieux coq, hein, était monté sur un arbre. Hein, il est monté sur un arbre. Il y a les poules autour de l'arbre, sur le sol. Était monté sur un arbre pour mieux garder les poules. Okay? Pour mieux garder les poules, pardon. Les poules, où? Les poules. Hein, une, deux, trois, quatre, plusieurs poules au-dessous. Et après un renard arrive et dit au coq, ah, il y a un renard qui arrive et dit au coq, mon frère, regardez, mon frère, nous ne sommes plus en guerre. Ah, nous, c'est-à-dire le coq et le renard, nous ne sommes plus, avant c'était la guerre, mais maintenant plus, non. Nous ne sommes plus en guerre. C'est la paix. Ah, c'est la paix entre nous. Ah, c'est la paix entre toi et moi. Okay? Descends, 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 descends. Verbe descendre. Okay? Descends. Okay? Toi en haut, en bas. Okay? De haut en bas. Descends, descends, descends. Pour que je t'embrasse. Pour que je t'embrasse. Okay? Mais tu fais vite, hein? Mais fais vite. Car je suis pressé. Hein? Toi, tu descends le coq, là. Toi, tu descends vite, parce que moi, renard, je suis pressé. Ah, je suis pressé. Hein? Il faut que j'aille. Hein? Il faut que j'aille. Verbe aller, ok? Il faut que j'aille porter la nouvelle. Hein? Amener, ramener, hein? Donner la nouvelle. Hein? Porter, ok? Il faut que j'aille porter la bonne nouvelle dans toutes les fermes du pays. Hein, vous voyez là, comprenez là? Il faut que moi, hein, il faut que moi, le renard, j'aille porter la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle, la nouvelle que le renard et le coq ne sont plus en guerre, cette bonne nouvelle, hein, ils sont en paix maintenant, cette nouvelle dans toutes les fermes du pays. Et du coup, ami, répond le coq. Le coq a répondu, hein, tu ne pouvais pas m'apprendre une nouvelle meilleure que celle-là. Celle-là est la meilleure. C'est très très bien. C'est très très bien que tu me donnes, tu m'apprends cette bonne nouvelle. C'est très très bien. Hein? Et donc, tu ne pouvais pas m'apprendre une nouvelle meilleure que celle-là. Celle-là est la meilleure. Celle-là est la meilleure. C'est le top du top. Ah, c'est le top du top. Il n'y a pas quelque chose qui est au-dessus. Ah, c'est très très bien. Meilleur que celle-là. Ok? Celle-là est déjà la meilleure. Ok? Et je suis bien plus content. Et je suis très content. Mais dans ce cas-là, je suis bien plus, hein, plus content encore de l'entendre de ta bouche. Hein, de l'entendre de ta bouche. Parce que c'est toi-même qui dis ça. Je suis très content. Je suis plus, beaucoup plus content. S'il y a quelqu'un d'autre, s'il y a une autre bête, il y a un autre animal qui dit qu'il y a la paix entre le renard et le coq, c'est déjà bien. Et maintenant, c'est encore mieux, c'est. It's better now. Ah, c'est encore mieux. Je suis bien plus content. Je suis déjà content si je peux entendre cette nouvelle. Et maintenant, je suis plus, hein, suis plus, bien plus content, hein, encore de l'entendre de ta bouche. Et voilà justement, là-bas, de gros chiens de chasse. Voyez ici là, de gros chiens de chasse. Qui arrive, hein? Justement là-bas, le gros chien de chasse qui arrive, ils vont vite, hein? Ils vont très vite,
Et dans un moment, ils seront ici. Ils seront, c'est-à-dire les gros chiens de chasse seront ici. Et je vais descendre tout à l'heure, ok? Je suis très d'accord. Mais je vais descendre tout à l'heure. Je vais descendre et on s'embrassera tous. Dans un moment, lorsqu'ils sont ici, je vais descendre lorsqu'ils sont ici. Et on s'embrassera tous, toi et moi, on s'embrasse lorsqu'il y a le présent, la présence, lorsqu'il y a la présence du chien. S'il n'y a pas la présence du chien, je ne descendrai pas. Vous voyez là? Au revoir, dit le renard. J'ai une longue course à faire. Maintenant, dit le renard. Dit, au revoir, dit le renard. J'ai une longue course à faire. Nous reparlerons. Faire parler, reparler. Nous reparlerons de cela, de cette nouvelle, une autre fois. Voyez là, le renard a senti quelque chose de danger lorsqu'il y a un gros chien de chasse. Parce que le gros chien de chasse, lorsqu'il arrive, ils vont attaquer. Ils vont attaquer le renard. Il va chasser. Ils vont chasser le renard. Puisqu'on ne sait bien jamais le renard soit en paix avec les poules et le coq, bien entendu. Il faut les chasser. C'est menteur. C'est un menteur. À ces mots, il se sauve et le vieux coq se met à rire bien fort, car le renard qui voulait mentir, ce renard a été trompé. Car le renard voulait mentir. Et aussi le renard a été trompé lui-même. Et c'est bien fait. Vous voyez là? C'est bien fait. Le coq et le renard. Comme on est qui un vieux coq était monté sur un arbre pour mieux garder les poules, thì có một con gà lớn già nhảy trên cành cây để mà dễ dàng giữ cho bầy đàn gà mái bên dưới. À, gà ri về chiều có một con cáo đi tới và nó nói với con gà như thế này: "Ê anh em ạ, à, mon frère, người anh em của tôi, nous ne sommes plus en guerre, chúng ta đâu còn chiến tranh với nhau nữa đâu, chúng ta đâu còn đấu nhau với nhau đấu nhau nữa, c'est la paix entre nous, bây giờ sẽ là hòa bình giữa chúng ta rồi. Descends pour je t'embrasse, hãy bước xuống đi để mà tớ ôm cậu cái nè. Descends pour je t'embrasse, mais fais vite, hãy làm nhanh nhé, car je suis pressé, bởi vì tớ đang rất là gấp. Il faut que j'aille porter la bonne nouvelle dans toutes les fermes du pays, tôi phải đi thông báo tin vui này cho tất cả các khu các trang trại trong đất nước chúng ta. Ami, ấy người bạn à, répond le coq, con gà trống mới trả lời như thế. Hey, cậu không thể nào mà mang cho chúng tôi một cái thông tin còn tốt hơn thông tin này nữa. Thông tin này là hay nhất rồi, tuyệt vời quá, tuyệt vời quá. Et je suis bien content encore de l'entendre ta bouche, và mình còn rất rất hài lòng hơn nữa vì hôm nay mình đã nghe được chính lời của cậu nói, entendre ta bouche. Et voilà justement là-bas. Hey, ôi chưa, ồ cũng hay quá, ở ngay đằng kia kia ở những cái con chó xanh, những con chó xanh bự đang tới, chúng tới cũng rất nhanh là đấy, trong phút chốc nữa đang ra mua mỏ in sâu ic, trong còn phút chốc thôi chúng sẽ có mặt ở tại đây ngay. Và lúc ấy je vais descendre et on s'embrasse tous, tớ sẽ đã nhảy xuống và tất cả chúng ta sẽ ôm lẫn nhau, ôm chầm với nhau. Ôm nào, ô và đi rồi nè, ấy thôi chào nhé con. Con cáo mới nói như thế, tớ có một chặng đường dài phải 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 đi thôi. J'ai une longue course à faire. Nous reparlerons de cela une autre fois. Chúng ta sẽ nói lại vấn đề này sau nhé. Asimo, khi nói những lời ấy xong, il se sauve et le vieux coq se met à rire bien fort. Nó đã chạy trốn mất tiêu, con cáo đấy, chạy trốn mất tiêu. Và cái con gà trống già bắt đầu cười lớn tiếng, cười lớn tiếng. Car le renard qui voulait mentir, bởi vì sao ạ? Cái con cáo nó muốn đang đã nó muốn đã muốn như sao ạ? Dự định là sao ạ? Lừa dối, và tự nó đã bị đánh lừa. A été trompé, đã bị đánh lừa, câu bị động. A été trompé lui-même, tự nó đã đánh lừa, mất bị lừa thêm. Et c'est bien fait, đáng đời nó, đáng kiếp nó. Et c'est bien fait.
Bon, voyons qu'est-ce qu'on a comme exercice ici, leçon 5. OK, cinquième partie, j'écris. Dans cette partie, je vais décrire seulement une partie, en quelque part. Je ne vais pas tout corriger parce que ça s'est répété. Mais par contre, vous, les élèves, il faut que vous fassiez tout, hein, tous les devoirs. Il ne faut pas omettre, il ne faut pas sauter, il ne faut pas laisser à côté les devoirs sans faire. OK? Je vais faire seulement certains exemples pour vous. J'écris. Ça c'est le plus que parfait. J'avais photographié, tu avais photographié, il avait photographié, nous avions photographié, vous aviez photographié et ils avaient photographié, pardon. Et puis, deuxième verbe. J'avais porté, tu avais porté. C'est la même chose. On doit changer seulement le verbe avoir. Alors, s'il y a avoir et le pépé, le participe passé, quand les gardiens ken, on ne touche pas comme il est, on le garde comme il est. J'avais porté, tu avais porté, il avait porté, nous avions porté, vous aviez porté, ils avaient porté, etc. Vous voyez? J'avais dessiné aussi, hein, la même chose. J'avais décoré, hein, la même chose. Et tout ça, j'avais appelé, c'est la même chose, j'avais expliqué la même chose, mais giải thích như thế nào đó, j'avais couru, mais chạy như thế nào đó, chạy bộ, j'avais répondu, mais trả lời, etc. J'avais pris, mình đã lấy một thứ gì đó, et j'avais compris, mình đã hiểu điều gì đó, rất là dễ, très facile. J'avais fini, mình đã thành công rồi đó, đã hoàn thành xong rồi đó, đã giải quyết xong hết trơn rồi, xong hết, kết thúc, và finir. J'avais compris, j'avais fini, ok. Et j'étais monté. Ah, ce sont les verbes, 14 verbes à utiliser, le verbe mouvement, à utiliser avec le verbe être, auxiliaire être, les bons động từ. Di chuyển là cần phải hoạt động chung chung với verbe être, động từ être. J'étais monté, tu étais monté, il était monté, vous étiez monté, nous étions montés, etc. Ils étaient montés, bien entendu. J'étais descendu, tu étais descendu, il était descendu, nous étions descendus, vous étiez descendu, ils étaient descendus, etc. J'étais venu, pareil, j'étais sorti. Avant, c'était le verbe avoir, maintenant, auxiliaire être. Vous voyez là, j'étais entré, entré. Maintenant, j'étais parti. Lúc đó, mình đi mất tiêu rồi, mình đi rời nhà, mình ra đi. J'étais arrivé, mình đã đi đến nơi, mình đã đến được cái nơi mình cần đến, chẳng hạn. J'étais arrivé, tu étais arrivé, il était arrivé, nous étions arrivés et vous étiez arrivés et ils étaient arrivés. Voilà. Bon, la cinquième leçon, non, pardon, le cinquième exercice, il faut le faire correctement, tout chaque, parce que vous n'êtes pas encore familier avec la langue. Mais pas comme moi, je fais juste vite. Pour passer au sixième, mais pas comme pour vous, pour familiariser avec la langue, il faut donner du courage à le faire tous. Ok? Numéro 6. J'écris comme il faut. Un jour, maman m'avait réveillé un peu tard et j'avais fait ma toilette très vite. J'avais aussi déjeuné très vite. J'avais pris mes affaires. J'étais sorti en courant et j'étais parti en courant pour l'école. J'étais couru hein, tout le long du chemin. Enfin, j'étais arrivé à l'école et j'avais frappé à la porte et j'avais entré. Hein, j'avais entré. J'étais entré aussi. J'étais entré. La tête baisse et la maîtresse m'avait fait de gros yeux et j'ai pleuré. Voilà. Vous voyez, j'ai pleuré. Il faut le traduire. Il faut le comprendre vietnamien, peut-être. Et il faut refaire si vous voulez, ok? C'est seulement plus que parfait. Et maintenant, le septième exercice. J'écris, je suis un bon élève, tu es un bon élève, il est, etc. Facile. Et je suis maman dans le jardin, tu suis maman dans le jardin, il suit maman dans le jardin, ok? Tu es derrière et lui devant, quelqu'un d'autre devant, ok? Et autrefois, j'ai été un bon garçon. Et autrefois, tu as été aussi, il a été aussi un bon garçon. Elle a été aussi une bonne fille, par exemple. Okay?
Et nous avons été et vous avez été aussi à des bonnes personnes, etc. Et puis hier, j'ai suivi maman dans le jardin. Hier, tu as suivi, il a suivi. Nous avons suivi maman dans notre jardin, etc. Et bientôt, je serai un bon élève. Bientôt, tu seras un bon élève. Bientôt, il sera, etc. Et demain, je suivrai. Attention, hein, attention. Demain, je suivrai mon frère dans le jardin. Et tu suivras. Hein, tu suivras, verbe suivre, OK? Et nous suivrons, et vous suivrez, et nous suivrons, etc. Notre frère dans le jardin. Voilà. Je termine la vidéo ici. On donne le rendez-vous. On donne le rendez-vous à la troisième vidéo. Voilà. Merci. Au revoir.